Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter de façon détaillée comment relier votre automate. Ici, on parle d'un automate réel ou bien on va traiter l'exemple d'un automate virtuel à travers VHCP ici, à notre serveur Node-RED, donc pour l'intégration de l'IoT. Donc, lorsqu'on parle de l'IoT, on parle de l'Internet des objets. L'IoT c'est Internet of Things, donc ici on va traiter, on va parler de l'IoT pour faire la commande et le contrôle et la commande à distance de vos projets automatisation. Ok, donc ici voilà, c'est l'exemple qu'on va traiter ensemble. Donc c'est un système de réservoir qui contient un maximum 1 000 cm. Et ici, nous avons deux seuils, seuil max et seuil min, pour indiquer si le réservoir est presque plein ou bien il est vide. Et ici, nous avons deux voyants pour signaliser le seuil max ou seuil. Nous avons atteint le seuil max ou bien le seuil min. Okay? Et ici, nous avons un capteur de niveau qui mesure le niveau et qui sera envoyé à notre automate. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on va traiter. Donc ici on va parler de l'architecture qu'on va réaliser, le projet qu'on va réaliser. Donc voilà, c'est notre automate qui va communiquer à notre serveur Node-RED à travers le réseau Profinet. Donc le serveur Node-RED nous permet de connecter plusieurs utilisateurs à notre automate pour commander ou bien pour la supervision à travers des smartphones, tablettes ou PC. Donc en utilisant bien sûr le réseau Wi-Fi. Ok. Donc ici on va présenter trois vidéos. Dans la première vidéo, on va parler de ce que ça veut dire l'IoT dans l'industrie de l'automatisation. C'est quoi l'utilité de l'IoT maintenant? On parle de l'industrie 4.0. Et ici, je vais montrer comment vous allez installer dans vos PC le serveur Node-RED qui nous aide à développer des applications pour la commande à distance. Dans la deuxième vidéo, aussi, je vais vous montrer, donc on va traiter l'exemple de réservoir et je vais montrer à travers cet exemple comment vous allez relier votre automate virtuel PLC-SIM si par exemple vous voulez tester votre application, vous n'avez pas votre automate. Donc ici, je vais vous montrer comment vous pouvez tester cette application en utilisant l'automate virtuel, bien sûr, avec notre serveur Node-RED. Et donc ici, voilà, par exemple ici, ce qu'on va faire, donc je vais vous donner une idée de ce qu'on va faire. Donc ici, on va réaliser notre programme sur TiaPort et on va charger notre programme sur le PLC-SIM, sur l'automate virtuel. Ensuite, on va faire la partie programmation sur le Node-RED. Donc ici, c'est la partie programmation. À travers cette programmation, on va développer une interface de supervision, page web, ok. Qui permet de donc ici à chaque modification dans notre automate virtuel. Donc ici il va afficher le niveau de réservoir, ici notre courbe et ici donc ici est-ce que nous avons atteint niveau haut ou niveau bas. Donc ici par exemple on va entrer deux seuils, seuil max par exemple 800, seuil max. Donc si on dépasse 800, si on dépasse le niveau 800 comme ça, donc un voyant indique que nous avons dépassé le niveau seuil max. Ce max c'est 800 ici et sur 1750. Si par exemple on est au-dessus de 150 et ici bien sûr un voyant pour indiquer qu'on est au-dessous de ce 1000. Donc ici on peut aussi sonder à travers cette plateforme, cette page web, le seuil max ou seuil 1000. Par exemple ici je vais augmenter le seuil par exemple. Par exemple, ici, je vais prendre 159. Donc, si je vais voir au programme, donc, vous pouvez voir qu'on a pu, modifier donc, le seuil. Donc, ici, nous avons pu modifier ces valeurs. Ok. On peut faire la supervision à travers le PC ou bien on peut aussi le faire à travers notre smartphone. Par exemple, je vais montrer ici.
exemple, ici, je veux dire, non, c'est pas grave. C'est-à-dire que je peux contrôler notre application à travers notre smartphone. Donc, vous, comme vous remarquez. Ok, donc je vais fermer ça. Donc, ici, on va ouvrir une page web. Comme vous remarquez ici, on va obtenir la même chose. Ok, on voit le numéro 603. Donc ici vous allez trouver, on peut faire la supervision. Ici ça c'est la cour. Ici c'est l'état des voyants. Et ici je peux aussi modifier, c'est-à-dire le seuil min et le seuil max. Ok, par exemple ici je peux augmenter. Voilà, par exemple, puissance, par exemple, ici je peux augmenter le seuil max et le seuil min de notre réservoir. Donc, ici on a pu à travers notre aide commenter à notre automate ou bien à travers le PC ou bien à travers le smartphone. Donc, ce qui permet de, ici, de parler de l'IoT, de tout ce qui est Internet of Things. Okay. Si vous êtes intéressé par cette formation, donc je vais vous faire des vidéos sur ça, sur ça. Donc, si vous cliquez sur j'aime sur cette vidéo, donc pour montrer que vous êtes intéressé à cette formation. Donc, je vais partager ces trois vidéos, ou bien même je vais développer d'autres applications plus développées on peut faire la supervision de régulation, tout ça à travers notre aide. Okay? Donc, vous cliquez sur le j'aime. Si on obtient un certain nombre de j'aime, donc ici je vais partager ces vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à abonner à notre chaîne YouTube. Donc, Hamadi Ben Sessi, où vous allez trouver une playlist aussi, vous allez trouver plusieurs vidéos dans le domaine automatisme. Donc, ici, merci pour votre attention.